étoiles sur écoute. Pic-parole. Pic-parole. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de Pic-parole, je pique la parole à une anthropologue, à une responsable com, à une podcasteuse, enfin bref. Je vous raconte un bout de son histoire, de mon histoire, non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte. Je lui pique la parole, mais c'est son histoire. Ah ! Marie-Cécile. Je m'appelle Marie-Cécile Drécourt. Drécourt, comme ça se prononce, avec un T à la fin. Et j'ai 40 ans. Ch'ti. Je suis ch'ti. Ah ouais. Ch'ti de Lille. Si j'avais pu choisir, j'aurais quand même choisi d'être ch'ti. Ah bon ? À Lille, on ne vous regarde pas de travers. On ne vous demande pas de vous mettre sur le devant de la scène. Vous pouvez être qui vous voulez. Alors j'ai d'abord choisi la danse. Classique, contemporaine, africaine, salsa. Toutes les danses qui me permettaient d'apprendre des cultures différentes par le corps. J'avais passé un deal avec Michael Jackson sur sa page fan. Il m'apprend à bouger et en échange, j'achète toutes ses CD cassettes. Et puis, je dévore les cités d'or. Et je me passionne pour les Amérindiens. Comment arrivent-ils à s'intégrer à la culture moderne tout en gardant leur culture et leur rythme ? Bien sûr, je serai anthropologue. Je décide alors d'aller à Denver pour faire ma maîtrise. Et mon premier jour de cours, c'est le 11 septembre 2001. Un Boeing 767 vient de percuter l'un des buildings du World Trade Center. La tour est en flammes, les secours s'organisent. Accident aérien ou attentat, l'Amérique l'ignore encore. Le pays est en ruine, je suis en pleurs, et le prof, comme si de rien n'était, nous demande d'écrire un essai sur le plus gros massacre de l'histoire amérindienne, Wood Nedney. Ils sont fous ces Américains. L'année se passe dans un climat étrange, entre peur, crainte, fébrilité et rencontres interculturelles enrichissantes. Et moi, au milieu de tout ça, je fais, à 22 ans, un AVC. Oh mon Dieu, Marie-Cécile. 3 jours à l'hôpital. C'est tout ? Ma vision latérale droite est altérée. On me regarde comme si j'étais une miraculée. Tu devrais jouer au loto, peut-être, hein ? Je termine ma maîtrise et une fois diplômée, je rentre en France. Je n'ai pas du tout envie d'être chercheuse. Je veux être en contact avec les gens, leur parler, les comprendre, avec communication. Eux. Je tente la communication, pendant 4 ans. Dans une belle agence, à Paris. Bien reçu. Les gens, les communiqués de presse, les soirées. Okay, je me découvre un vrai talent pour organiser, gérer des projets et m'assurer que tout se passe comme prévu. Je kiffe être celle qui fait en sorte que... Et puis, coup de cœur, dans le sud. Ah. Je rencontre quelqu'un. Ça va vite, après un an d'aller-retour en TGV Paris-Montpellier. Pratique la carte grand voyageur. Je décide d'aller vivre avec lui. Ah ouais, sûr de toi. Je hein. quitte mon CDI pour vivre d'amour et d'eau fraîche, mais 3 semaines avant l'emménagement, il rompt. Non. Bâtard. J'ai 29 ans, je suis dans une nouvelle ville. Sans boulot, sans amis, sans appart et sans mec. Je décide de rester à Montpellier et non sans mal, je fais mon trou. Je trouve du boulot, je rencontre des gens, je m'en sors, mais je ne suis pas épanouie. Et un jour, mon ancien chef de Paris m'appelle. Marie-Cécile, ça te dit de devenir chargée de communication interne chez un de tes anciens clients ? Montpellier, Avignon, c'est pas si loin. Le temps que je réfléchisse, j'avais déjà dit oui. Je recommence tout, direction Avignon. Ça dure 2 ans, et puis mes envies d'ailleurs, que j'avais un peu étouffées, ressurgissent. Alors je me lance dans des études de tourisme durable pendant encore un an. Des études ? Et parce que étudier rime avec AVC, je fais, à 32 ans, mon deuxième AVC. What ? Celui-là, je l'ai même pas vu arriver. Je n'ai pas de séquelles, je ne vois toujours pas à droite, mais ça n'a pas empiré. Ouais, joue au loto. Et puis, alors que je suis au chômage, un appel de David, avec qui j'avais bossé une fois. Marie-Cécile, j'en cherche quelqu'un pour travailler sur la télé du off, ça te dit ? La télé du off ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire préparer, organiser les interviews, il va falloir gérer les plateaux des comédiens, débriefer les animateurs sur les pièces aussi. Ok, mais je serai pas devant la caméra, hein ? Mais évidemment que non, chacun son job, Marie-Cécile. Chargée de production ! Je n'ai jamais fait de télé, je ne connais pas vraiment le Festival d'Avignon, c'est un nouveau métier, je suis flippée. Mais j'y vais, et je me lance en freelance. David sera l'animateur, et ça durera 3 ans. La 3e année, le caméraman me dit qu'il va falloir faire du direct et qu'il n'y a personne pour le faire. No way. Non. C'est mort. Je passerai pas devant la caméra. C'est mort. C'est mort. Jamais. Je me raisonne en me disant qu'en comparaison avec ce que j'ai go. Déjà vécu, tenir un micro face caméra, c'est un jeu d'enfant. Allez. Et je me retrouve alors à faire une interview pour dépanner. Mais le maquillage, les spots en pleine figure et les caméras ne me mettent pas très à l'aise. Je préfère bosser dans l'ombre, alors une seule interview, ça suffira. Et puis l'année suivante, David me rappelle. Cette fois, c'est pas de la télé, mais de la radio. France Bleu Vaucluse, toujours la production. Et là, pareil. À 2 minutes du direct, il me met un micro dans la main et me dit « C'est toi qui as vu la pièce, c'est toi qui vas faire l'interview. Et tu vas déchirer Marie-Cécile. » Allez. J'ai pas le choix. Le metteur go, en scène est devant Marie-Cécile, moi. Go. J'accepte. Une interview, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 1 par jour pendant tout le mois de juillet. On est sur un grand plateau, il y a 4-5 chroniqueurs. On est diffusé entre 17 et 19h. Je fais clairement ce que j'ai toujours rejeté, me mettre en avant. Et c'est pas désagréable. Ah bah voilà. En parallèle, je fais toujours des missions de com pour des boîtes. Mais là, je me découvre vraiment une passion pour l'interview radio et pour les gens.
Depuis mes AVC, plus rien ne m'arrête. Quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. La vie est trop courte pour se faire du mouron. Alors moi, ce que je fais, c'est que je passe à l'action. C'est fou comme tous les gens ont une richesse. Et j'essaye de les faire parler en finesse. Interview, c'est un peu comme une grosse orange. Si tu l'épluches bien, eh ben tu gagnes au change. Alors j'ai pensé à monter mon projet. Pour pouvoir parler à des gens trop chambés. Et en 2018, je décide de lancer mon média à moi. Mon podcast. Génial. Esperluette Podcast. Pour raconter la vie de passionnés, leur parcours, leurs projets, leurs envies. Mon adoration pour le Vaucluse me fait rencontrer des gens de la région qui sont extraordinaires, positifs, actifs, avec des projets culturels, entrepreneuriaux et associatifs. À travers mes interviews, j'ai envie que ceux et celles qui m'écoutent se donnent la force de se lancer, d'oser, de faire. Allez les gens, je veux montrer qu'il n'y a rien de meilleur à aller essayer de toucher ses rêves en écoutant l'expérience des autres. Ce mois-ci, c'est les 1 an d'Esperluette Podcast. J'ai déjà 12 épisodes disponibles sur des thématiques différentes et je ne compte pas m'arrêter là. Je propose même des interviews aux entreprises. Allez les boîtes là, on achète. Aujourd'hui j'ai 40 ans et je suis en pleine crise de la quarantaine. Ma crise à moi, c'est achat d'une maison, 1 an de podcast et un mariage heureux. Alors je vous dis merci, parce que si j'en suis là, c'est un peu grâce à moi, mais c'est surtout grâce à la vie et beaucoup grâce à vous. Merci Marie-Cécile de nous donner envie d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Ça donne envie. C'était Pénélope pour... Big Parole. Big Parole. La toile sur écoute.